Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais qu'on se retrouve avec une vidéo un peu plus chill aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire dans ce vlog, je voulais parler avec vous, prendre un petit moment calme. Je me suis réveillée ce matin et j'avais envie d'un moment calme, d'une journée calme. Je me suis fait une réflexion en fait hier parce qu'en ce moment, je pense que bah, vous devez le voir sur les réseaux sociaux, mais c'est la Fashion Week. Comme vous le savez, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos FAQ, mais moi je regarde beaucoup les défilés. Je suis étudiante en art et je regarde beaucoup les défilés bah, pour tout ce qui est forme, nouvelles idées, etc. Enfin, je trouve ça fort inspirant, plus pour le côté artistique que fashion, vous voyez. Mais j'adore aussi le côté fashion, mais il y a des fois où je vais pas sur les réseaux sociaux parce que ça me met mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Des fois où ça me met grave dans le mal parce que j'ai l'impression que ma vie à côté elle est ultra ennuyeuse et nulle. Et je me suis fait la réflexion ce matin. Et en fait, cette nuit, j'ai très mal dormi. Parce qu'en ce moment, mes voisins ont visiblement beaucoup de choses à se dire la nuit. On a des voisins, genre un étage ou deux étages au-dessus, on sait pas, qui font un max de bruit. Surtout la meuf fait un max de bruit. Et franchement, c'est abusé. Moi, je suis une meuf, je sais que... C'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir. Enfin bref, ce qui fait que j'ai très mal dormi. Donc je me suis fait un petit latte. Je bois plus beaucoup de café, j'essaie d'en boire genre deux fois par semaine, ce qui est ultra raisonnable. Principalement parce que je bois du matcha au quotidien. J'en ai essayé un nouveau, je suis désolée pour le bruit de mes glaçons, mais je bois mon café toujours froid. J'ai acheté un nouveau matcha dans un magasin de thé japonais à Lille qui a ouvert, qui s'appelle Maison Satori, et en fait on me l'a conseillé. Donc j'y suis allée, j'ai acheté un nouveau matcha qui est excellentissime. Donc je vous le montrerai après, pourtant franchement c'est un des moins chers, donc j'étais grave choquée. Au quotidien du coup je bois du matcha et moins de café, c'est pas dinguissime. Et en plus deuxièmement parce que ma machine comme vous l'avez vu est en train de me lâcher. Alors ça fait un an qu'elle galère, de ouf. J'ai une Dolce Gusto, tant qu'elle est pas morte j'ai pas envie de l'acheter parce qu'elle fonctionne encore. Et en plus une machine à café ça coûte super cher. J'ai demandé qu'est-ce que j'allais racheter comme machine à café une fois qu'elle serait cassée, si j'achetais la même ou si j'achetais, vous voyez, celle avec les petites dosettes. Mais j'hésite en fait à attendre encore plus économiser pour directement m'acheter une DeLonghi. En fait, comme je bois que des lattés, j'ai juste besoin d'une cafetière qui me fait des expresso, vous voyez. Donc voilà, bref. Je vous l'ai dit, hier j'ai réfléchi à ça, ce matin j'ai réfléchi en me levant et je me disais qu'en fait j'avais l'impression que ma vie était archi ennuyeuse quand je regardais les réseaux sociaux, des influenceuses et tout et tout. Mais en fait c'est pas le cas du tout. D'ailleurs je pense qu'aucune vie n'est ennuyeuse, enfin je pense que la vie de personne n'est ennuyeuse, c'est juste que c'est vrai que quand on se compare aux autres on a toujours l'impression que notre vie elle est plus nulle que les autres. Je suis en deuxième année de master donc je prépare mon diplôme là qui va se passer dans 4 mois et je sors 2 vidéos YouTube par semaine plus des shorts quand j'ai le temps. Et donc en fait je travaille tous les jours de la semaine. J'essaie quand même de voir au moins une fois mes potes par semaine pour dire de sortir et d'être sûre de faire quelque chose parce que du coup je bosse beaucoup de chez moi. D'ailleurs ce soir je vois un ami à moi, je vais boire un verre avec un ami à moi. Après mon café je me prépare, je ferai mon make-up et tout avec vous. Souvent quand on regarde Instagram bah on tombe directement sur des photos, sur les défilés de mode, dans des voyages presse incroyables, des trucs de fou, mais tous les jours comme ça, parce que je pense que c'est le cas de tout le monde, mais moi je suis plusieurs meufs, on n'a pas l'impression qu'il y a une vie classique et que du coup notre vie elle est complètement à l'opposé. Alors que je suis sûre que par exemple si demain il y a quelqu'un qui a invité à une avant-première, un défilé de mode ou peu importe l'événement, et que genre il nous montre en tout moment où la personne se prépare, cherche des idées de tenue, stress, se prépare dans sa chambre, etc. On aurait l'impression que c'est plus accessible, mais c'est vrai que les réseaux sociaux c'est le plus gros filtre pour montrer que le résultat vous voyez et pas tout ce qui s'est passé avant. Enfin je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Des comptes Instagram que je regarde que à certaines périodes et pas à d'autres périodes, parce que je sais que sinon ça me met un peu dans le mal, parce qu'en fait j'arrive pas à me reconnaître et à m'identifier. Après chacun a sa manière genre de consommer les réseaux sociaux, et moi je suis principalement consommatrice de YouTube et de vlogs, c'est ce que je préfère dans la vie du quotidien, etc. C'est ce que je préfère consommer. Et après c'est les gens qui développent leur boîte et tout, parce que j'ai l'impression vraiment que je peux me projeter et que je me reconnais dans certains quotidiens. Alors que quand je vais sur Instagram, une fois sur deux, c'est vraiment juste comme quand vous allez aux Galeries Lafayette et que vous faites du lèche-vitrine, vous voyez. Enfin bref, donc quand j'ai le combo où on dort mal, plus on passe sa soirée à scroller sur les réseaux sociaux, en général, ça fait pas méga méga bon ménage. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait être une journée comme les autres dans ma vie, parce que toutes mes journées se ressemblent, parce que je travaille toute la journée. Si c'est pas sur l'école, c'est sur YouTube. En l'occurrence, aujourd'hui, ça va être sur YouTube. Et c'était pas parce que j'étais toute la journée chez moi à bosser que ma vie est ennuyeuse, parce que ça n'est pas le cas.
Et la vôtre non plus d'ailleurs. S'il y a des moments où vous vous comparez, etc., sachez que votre vie, c'est votre vie et qu'elle est très bien comme elle est. Et tant que vous donnez le meilleur de vous-même dans chaque journée que vous faites, c'est tout ce qui compte en vrai. Donc là, ce matin, je n'ai pas filmé, mais j'ai fait une petite séance de sport à la maison, genre étirement et tout, ça m'a fait du bien. Et j'ai un peu bossé sur YouTube, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai envoyé des mails, j'ai répondu à des mails et tout. Et là, tout de suite, je vais me préparer, vu que ce soir je sors, je vais faire mon make-up et tout avec vous. Je vais faire un peu de cuisine et je vais travailler toute l'après-midi. Aujourd'hui, c'est un temps horrible, je vais vous montrer. Il pleut à torrent. Je suis contente parce qu'en plus, j'ai sorti une vidéo tree dressing où j'ai rangé tous mes gros pulls. Donc j'ai vraiment bien fait. Hein. Et pas folle la guêpe, ah, je vous jure. Après, je vais cuisiner des petits gâteaux. En fait, j'ai trouvé une recette sur Instagram avec de la poudre d'amande et tout. D'espèce de genre sablé trop bon. Et j'ai essayé vite fait. Et franchement, c'était hyper bon. Donc, je voulais les refaire avec vous pour vous partager la recette. On va faire ça après, genre pour le goûter. Et après, cet après-midi, je vais faire du montage. Et je vois mon pote ce soir. Donc, comme ça, au moins, je suis déjà maquillée. J'ai essayé de mettre mon bandeau pour tenir mes cheveux en arrière et être tranquille pendant que... je me maquille sans être ridiculous. Ça va être compliqué de pas être ridiculous avec un bandeau qui tire des cheveux bouclés. Je ressemble à Tahiti Bob. Vous voyez quand je vous dis que ma vie n'est pas du tout Instagrammable, on est la preuve. J'ai quand même envie de me faire un truc un peu sympatoche, voire quand même de faire un petit effort. Je voulais vous parler d'un truc aussi. En ce moment, je suis en pleine remise en question sur mes études. MDR, la meuf qui se pose des questions alors qu'elle est en master 2. Dans 4 mois, techniquement, j'ai terminé mes études en fait. Si tout va bien que j'ai mon diplôme, j'aurai un bac plus 5. J'aurai une licence et un master. Et en fait, je crois que j'aime pas. J'aurais pas pu le savoir avant, ma belle. Non, mais en fait, ça fait un moment que je sais que j'aime pas. Pourtant, c'est ma passion. Ça a toujours été ma passion. La création, etc. On a déjà parlé dans une vidéo, dans un podcast, je pense, il me semble. Et là, je le sens de plus en plus. Plus j'arrive sur la fin de mes études, plus je sens que c'est pas fait pour moi. Le monde de l'art, c'est quand même un milieu très, très, très particulier. Surtout en France. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Enfin, si c'est plus accessible, etc. Mais vous voyez, le monde de l'art, des galeries, de l'art contemporain, enfin c'est un milieu très particulier. C'est un milieu autour duquel je gravite depuis très longtemps parce que depuis le lycée je fais des études d'art. Donc depuis le lycée je vais dans les galeries, dans les musées, j'essaie de voir comment tout ce monde là fonctionne, etc. Et en fait c'est pas un milieu qui me plaît plus que ça. Cool hein, de le savoir à la fin de mes études. Mieux vaut tard que jamais. En fait depuis que je suis rentrée de l'étranger, depuis que j'ai tombé l'année de césure entre ma licence et mon master, je sais au fond de moi que c'est pas fait pour moi. J'ai ce truc, et dites-moi si ça vous est déjà arrivé, j'ai ce truc au fond de moi de faut que tu termines tes études parce que attends, t'es en master, il faut que tu le termines. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, alors qu'en vrai, je sais que je bosserai pas dedans parce que ça me saoule et que j'aime pas. Donc là, techniquement, j'aurai un bac plus 5. Je vais pas travailler avec mon diplôme, donc ça a toujours été le cas. J'ai toujours été attirée par le fait de bosser seule, etc. Mais depuis l'année de césure et encore plus depuis cette année que YouTube ça se développe un petit peu, etc. Depuis genre là, ces derniers temps, bah je me rends encore plus compte que je n'ai pas envie de travailler dans cette atmosphère et que j'ai envie de travailler seule, créer ma boîte, créer des trucs, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, etc. qui se rapportent pas, en tout cas pas à ce monde là. Ça me fait flipper parce que bah dans 4 mois j'ai fini mon diplôme, j'espère que je l'aurai, comme ça au moins ça sera fait. Mais si je l'ai pas, bah je l'ai pas et puis c'est tout hein. De toute façon j'aurais tout donné pour l'avoir. Mais vous voyez genre ça il y a un an, me dire bah si j'ai pas mon diplôme de master c'est pas grave, c'était impossible pour moi. Parce que je sais pas, j'étais trop attachée à ce truc de ah non mais attends faut que tu l'aies, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le côté genre ah si j'ai pas mon diplôme c'est la honte et tout, alors que pas du tout en fait. Et d'autant plus que je vais même pas l'utiliser, donc franchement MDR. C'est une période un peu spéciale en ce moment. Je me pose des questions sur plein de trucs. Et du coup, le fait aussi de voir que la chaîne grandit, ça, même si évidemment là, je suis pas un million d'abonnés. Hein. Chaque personne qui s'abonne à mon compte, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Et moi, je trouve que c'est très important. Ça me fait poser beaucoup de questions. De vous proposer plus de contenu, de meilleure qualité. J'adore ma vie comme ça. J'adore me réveiller le matin,
et travailler tous les jours. Moi j'adore travailler, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Sachant que j'ai déjà eu avec des amis à moi, des proches à moi, etc. Mais il y a plein de personnes pour qui le travail, entre guillemets, c'était pas passionnant et c'est pas méga intéressant. Et moi j'adore travailler, c'est un truc que j'adore faire. Travailler tous les jours, ça me dérange pas quand c'est un truc que j'aime, bien sûr. Je dis pas du tout que ce serait la même chose si je me levais pour aller à l'usine tous les jours comme mon père a fait toute sa vie, c'est pas la même chose du tout. Et encore que mon père est passionné, mon père est ouvrier et passionné par son métier, et c'est un plaisir pour lui, il a toujours voulu aller, il a jamais voulu prendre d'arrêt maladie, même quand ça n'allait pas. Enfin, mon père est vraiment passionné par son métier, et je pense que c'est quelque chose qui m'a influencé dans ma vision du travail, vous voyez. Si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, vous l'avez vu, mais à un moment j'avais chopé un boulot dans un musée en tant que guide conférencière, donc c'était une opportunité de ouf, et je n'ai pas aimé. Et quand j'étais petite, je me suis toujours dit, ouais, moi je travaillerai dans un musée, je ferai des conférences, je ferai ceci, cela. Mais en fait, c'est pas le boulot en lui-même que j'ai pas aimé. C'est l'atmosphère, l'ambiance, les gens, la façon dont les gens ont de parler. Je sais pas, c'est pas mon univers. C'est pas assez simple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple, j'avais une collègue qui était super sympa. Et genre, arrivée tous les matins, elle me disait oh, je suis surbookée là, non mais attends, je vais faire une visite pour le ministre. J'en peux plus, j'ai la tête comme ça. Toute la semaine, en mode non mais attends, mais moi je fais une visite au ministre, donc là j'ai pas le temps. Et en fait, ce genre de truc, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc à moi. Moi, je suis très simple et je m'en fous de ces trucs-là. Dans ce milieu-là, on ne s'en fout pas. Et donc, moi, je suis pas à l'aise dans ces trucs-là. Je pense que je vais vous faire une vidéo dessus de toute façon parce que là, j'arrête pas de parler plus tout à l'heure. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et franchement, je ferai une vidéo dessus. J'ai plein de trucs à dire sur le sujet. De se rendre compte à 26 ans qu'en fait, toutes les études que j'ai faites depuis le lycée, c'est pas quelque chose qui me correspond. C'est bizarre. Et du coup, c'est une phase un peu spéciale dans ma vie. Et surtout que les vraies choses que j'ai envie de faire, c'est des choses un peu risquées, genre l'entrepreneuriat, travailler seul et tout. Moi aussi, ça vous est déjà arrivé. Je vous avoue que ça me rassurerait parce que là, en ce moment, je suis en pleine remise en question sur toute ma vie. Mais voilà quoi. J'ai envie de prendre des risques et j'ai envie de tenter des nouvelles choses. Et voilà. Je vais finir mon maquillage et je vous retrouve juste après. On va aller faire les sablés, comme ça, ils vont avoir le temps de refroidir le temps que je travaille et on pourra prendre un petit goûter ensemble. La recette. En fait, je suis tombée dessus sur Instagram. Hier, j'ai fait genre hier la moitié des quantités pour voir ce que ça donnait. Et franchement, c'était grave bon. C'est elle. Je vous mettrai son nom, mais c'est ANADASILV-du-bas. Donc je vais faire la moitié des quantités. J'ai un peu modifié la recette parce que il faut de l'huile de coco et j'en avais plus. Donc à la place, j'ai mis du lait d'avoine. Et ça a très bien marché. Donc écoutez, on va faire la même chose. Donc moi, je mets la moitié des quantités qu'elle met. Donc moi je vais mettre 100 g de poudre d'amande, du lait d'avoine, donc je vais mettre 30 ml, 60 ml de sirop d'érable. J'en ai pas, donc j'ai mis du sirop de date. Je vais en mettre un peu moins parce que hier j'ai mis 30, mais je pense que le sirop de date c'est plus fort en sucre que le sirop d'érable. Du coup c'était trop sucré pour moi, donc je vais mettre 20. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait la même recette. Hein. Et après on mélange. Vous voyez, ça donne un truc un peu comme ça, genre on dirait un peu une pâte à cookies, mais 70 g de pépites de chocolat. Donc comme moi je fais la moitié, je mets 35. Et j'ajoute le chocolat dedans. Je vais faire des petites boules à peu près en taille. Après je la mets là et genre j'appuie. Faut appuyer parce qu'en fait ils vont pas descendre comme des cookies. Je les laisse en boule, ils vont cuire en boule en fait. Mais hop, je sais pas si vous voyez, mais ça fait genre des petits palets comme ça, genre ça ressemble à des cookies. Ça, on va mettre 12 minutes au four à 180 degrés. Mieux à côté de la fenêtre pour que vous puissiez bien voir, mais du coup ça donne ça. Bon, c'est un petit peu grillé, mais franchement, c'est trop bon. Je vous remets le nom du compte Instagram, mais je vous conseille vraiment de tester. Comme je vous ai dit, moi, j'ai un peu modifié, j'ai mis moins de sucre et à la place de l'huile, j'ai mis du lait. Et franchement, ça marche tout aussi bien. Un peu moelleux et tout, c'est trop bon. Enzo m'a envoyé un message pour me dire qu'il rentrait de la balade avec Albus. Avant qu'ils arrivent, je vais me préparer mon goûter.
Je vais me faire un petit yaourt à la grecque avec des fraises, du sirop d'agave et quelques sablés que j'ai fait du coup. Là, écoutez, ça fait déjà 2 heures que je bosse sur l'ordi. Donc ça va me faire prendre une petite pause. C'est pas plus mal. Hop. Je filme pas trop mes sessions de travail parce que bah, pendant 2 heures, je suis sur l'ordinateur. Je suis sur l'ordi à faire du montage, à travailler pour les cours. Là, pour l'instant, c'est vacances scolaires. Et après les vacances scolaires, c'est la soutenance avec la présidente du jury final de mon oral, quoi, enfin de mon diplôme. Donc, faut que je prépare ça, je prépare mon oral et tout. Enfin bref, pas méga passionnant pour vous, quoi. Je vais vous montrer le matcha que j'ai acheté à Maison Satori. C'est celui-ci. Donc, je l'ai acheté à Maison Satori à Lille. Mais en fait, c'est écrit que en japonais. Donc, du coup, je vous montre le packaging. Si jamais un jour, vous avez l'occasion de l'acheter dans un salon de thé japonais. Et il est excellentissime. Il est grave pas cher. Franchement, j'ai acheté des matchas bien plus chers que ça et bien moins bons. C'est vraiment importé de là-bas, en fait. Tous leurs produits sont importés du Japon directement. Mais ils travaillent avec des fournisseurs particuliers, je pense. Parce que c'est vraiment genre un truc un peu haut de gamme et tout. Mais celui-là, il est genre à 16 euros. C'est rien du tout. Alors, le moins cher de la gamme parce que c'est genre leur matcha alimentaire. Souvent, j'aime bien tester les matchas alimentaires des marques. Genre, on va dire l'entrée de gamme pour voir si déjà l'entrée de gamme est bonne et pas genre méga amère en mode goût d'herbe. Et souvent, si genre le matcha le moins cher d'une marque de matcha est déjà très très bon, c'est que la sélection au-dessus, etc. est encore meilleure et de très bonne qualité. Là, je me suis dit, bon, bah, je vais tester et tout, vu qu'ils ont plusieurs marques gamme la moins chère, ce que ça vaut, et franchement il est excellentissime, je suis choquée. Donc soit je rachèterai celui-là, soit j'achèterai les gammes au-dessus, je sais pas, mais voilà. Écoutez, je me suis fait mon petit bol de fromage blanc avec des fraises, enfin de yaourt à la grecque avec des fraises. Je vais prendre quelques petits gâteaux, je vais manger des petits sablés avec mon fromage blanc et après je continue de travailler. Je rejoins mon pote ce soir à 21h, donc je vais bosser tout le reste de l'après-midi et la soirée. Je mangeais devant mon ordi. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Parce qu'Enzo m'envoie un message. Mais Calbus a besoin de passer sous la douche. En mode petit rinçage, quoi. Parce qu'apparemment, il est plein de boue. Voilà. À tout à l'heure. Oh, alors, le petit malheureux qui se fait rincer. Hop là. Et ça, ça arrive à chaque fois qu'on le lave. À lui, là. À chaque fois qu'on le lave, il se frotte partout sur la pâte. En vrai, on le rince à l'eau, il fait quand même ça. Ouais. On le rince à l'eau, on met du savon. Dans tous les cas, il se frotte pour répandre les odeurs de la maison, je pense. Je vais sécher mon fromage blanc. C'est pour qui, ça? Ah, là, on se calme. Ah, si? Vas-y, mon chou. Bah, on était un petit courageux, alors on a une petite récompense. Bon, le fauve est rentré, comme vous pouvez le voir, il est ici. Il est à fond la caisse, il ne s'arrête pas. Moi, je continue là à faire du montage sur l'ordi. Et je vous retrouve avant de partir, me mettre en route pour rejoindre mon pote. Il est 20h06. Je suis dans ma chambre, comme vous pouvez le voir. Et je mange. Je rejoins mon pote à 21h30, donc je mange avant de partir. Je suis crevée, j'hésite à faire une sieste. Et j'ai quel âge, franchement? Qui fait une sieste avant d'aller dans un bar à 21h30? Je vous ai pris pour vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai cuisiné un plat de pâtes incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, faut absolument que vous testiez la recette. Bon, là ça ressemble à rien parce que en plus la lumière est pourrie. Mais en gros, j'ai fait dans une poêle, j'ai mis du beurre et dedans j'ai fait revenir de la ciboulette fraîche hachée avec du citron, du sel, du poivre. J'ai mis du poulet, genre des petits dés de filet de poulet que j'ai découpé. J'ai fait revenir tout ça et ensuite, une fois que les pâtes étaient cuites, j'ai mis les pâtes dedans avec de l'eau des pâtes pour faire genre une sauce. Vous voyez ou pas? J'ai mis dans l'assiette avec du cheddar, genre du cheddar râpé. Incroyable, vraiment incroyable. Là, je vais manger mon petit plat de pâtes devant une vidéo de Je ne suis pas jolie, devant un vlog de Je ne suis pas jolie. Je suis explosée. Mais attendez, mais vous voyez mes cernes ou pas? C'est grave, hein. C'est grave d'avoir des cernes comme ça à 20h. J'ai rendez-vous dans 1h30, ouais, un peu moins. Il y a moyen que je fasse une sieste en vrai. Genre de 20 minutes. Ça va, non? Allez, une petite sieste, 20 minutes. Attendez, je vais essayer de bien vous mettre. Je viens de rentrer. Il est genre 1h41. En gros, il est bientôt 2h du mat. Je suis explosée. J'ai passé une trop bonne soirée. Je parle pas trop fort. Parce que Enzo et Albus dorment. Mais j'ai passé une trop bonne soirée. Franchement, ça m'a fait grave du bien de
de voir mon pote. Et j'espère que vous m'entendez bien. Demain, du coup, je vais essayer de pas me réveiller trop tard non plus parce que j'ai du boulot pour YouTube. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Des fois, ça fait du bien. Un petit vlog nature-peinture. J'avais pas envie de faire une vidéo en mode archi préparé, archi réfléchi et tout. Je voulais faire un truc un peu plus nature-peinture, quoi, un peu plus naturel, un peu plus authentique. En ce moment, YouTube, je trouve qu'on retrouve un peu le côté YouTube d'avant, dans les contenus et dans la façon dont les gens recherchent le contenu. Je sais pas ce que vous en pensez. Même moi, dans ma façon de consommer YouTube, ces dernières années, je trouvais que le vieux YouTube, entre guillemets, plus naturel, plus authentique et genre face cam, vous voyez un peu à l'ancienne, vidéo un peu tag, un peu challenge, mon copain découvre ceci, swap, machin et tout. Je trouve que ça manquait de fou à YouTube et j'ai l'impression qu'en ce moment, ça revient un petit peu. Je sais que YouTube met pas mal de petits créateurs aussi en avant en ce moment et que ça fait beaucoup de bien à la plateforme. Franchement, je suis trop contente parce que ça faisait un moment que je trouvais que ça manquait un petit peu le vieux YouTube, quoi. Le YouTube auquel on s'attache et on s'empoisonne. Non mais vous voyez, le YouTube vraiment où on se connecte aux gens et tout. Et on a l'impression que les créateurs de contenu, c'est des gens comme nous. Parce que la vérité c'est que c'est des gens comme nous. Que c'est clair que des fois ça fait du bien de voir des vidéos du quotidien un peu plus normales ou juste des gens qui travaillent toute la journée, qui ont plein d'espoir et qui ont plein d'envie et plein d'ambition et qui donnent tout, quoi. Et je trouve qu'on avait beaucoup ce mood au début de YouTube, genre quand moi je commençais à regarder des vidéos il y a longtemps, et que ça s'est perdu avec le temps. Mais c'est normal parce que YouTube c'est tellement devenu un truc que il y a eu des grosses prods, des trucs et tout, et ça a laissé place à plein de choses. Mais je sais pas, je trouve que c'est une ère YouTube qui manque et j'ai l'impression en tout cas que en ce moment ça revient et je trouve que ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Moi je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. N'hésitez pas à vous abonner parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment les petits créateurs sont pas mal mis en avant. Ça aide beaucoup beaucoup la chaîne à se développer. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Bisous.